Salut la compagnie, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue pour les petits nouveaux. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo d'essai impression, on va s'attarder un petit peu sur un chasseur de chars allemand, le Ferdinand. Alors c'est un rang 4 battle rating 6.3, il est armé d'un excellentissime canon long, donc celui du Tigre 2 pour ceux qui connaissent, donc un 88 mm Pak 43 qui fait vraiment l'affaire à très longue portée. C'est un canon très précis, évidemment qui frappe ultra violemment, hein. C'est une munition Pak 43, donc je peux vous garantir que quand vous prenez une munition de ce type là dans le derche, ça fait très très mal. Alors c'est un canon en casemate sur châssis de Tigre 1 première génération Porsche. Donc Porsche avait présenté à Hitler sa version du Tigre 1, donc Hitler l'a refusé parce qu'il y avait des problèmes mécaniques là-dessus, et donc ils avaient pas mal de châssis comme ça dont ils se servaient pas en fait, hein. Donc ils ont décidé de mettre le canon du Tigre 2, donc de 88 mm Pak 43 sur ce châssis Tigre 1 Porsche pour en faire voilà ce chasseur de chars pour la campagne russe. Alors ils ont eu pas mal de succès, hein, jusqu'au moment où il y a eu des petits soucis sur l'infanterie ennemie, donc l'infanterie russe. Comme ce sont des canons anti-chars très lourds, hein, c'est quand même 65 tonnes d'acier, hein, il y a quand même 200 mm de protection au niveau du blindage avant, donc en casemate et au devant du châssis, hein. Donc c'était vraiment un char très très lourd, pas très manœuvrant, ultra lent, enfin bon bref, voilà, on lui en demandait pas trop vu que c'était un chasseur de chars qui tirait donc les ennemis à très longue distance. Mais une fois que l'infanterie se rapprochait de plus en plus des lignes allemandes, ces chars-là qui n'avaient aucune mitrailleuse de défense contre l'infanterie se faisaient péter la gueule à droite à gauche. Donc le Ferdinand a été un petit peu amélioré, hein. Il s'est appelé plus tard le Elefant, et ils ont rajouté, on va dire, une mitrailleuse de caisse qui va se trouver ici pour justement la protection anti-infanterie, hein, d'accord les gars. Mais de toute façon, d'après ce que j'ai lu sur la campagne de Russie, hein, le Ferdinand et le Elefant étaient de chasseurs de chars extrêmement efficaces pendant justement la campagne russe. En tout cas, le canon de 88 Pak 43, c'est un très très bon canon, donc très bon blindage sur l'avant comme je vous ai dit, hein. Là c'est du 200 mm, si vous anglez un petit peu comme je vous dis toujours, vous épaississez un petit peu votre protection avant, hein. Donc il y a deux plaques de 100 mm sur l'avant, hein, vous le voyez là, donc deux plaques, et puis là c'est carrément un bloc, comme vous voyez là, c'est très très épais, de 200 mm, ok. Alors faites attention sur le côté, sur l'arrière, hein, ou même sur le dessus, hein, vous faites péter assez rapidement avec le Ferdinand, hein, comme tout d'ailleurs tous les chasseurs de chars de ce type là, hein. Il n'y a pas beaucoup de blindage sur le côté, et comme c'est un petit peu lent, surtout le Ferdinand, et encore moi j'ai pas du tout tous les modules en fait, il me reste encore la transmission et la motorisation, donc ça va aller un petit peu plus rapidement, mais bon vous allez voir, c'est quand même très très lent. En tout cas, hormis bon, la vitesse qui est pas top, et que bon, la rotation sur place c'est pas top du tout, hein, la manœuvrabilité, ça reste quand même un très très bon chasseur de chars que je vous recommande. Il se trouve ici donc dans l'arbre régulier des Allemands, hein, donc il est ici en 6.3, donc le Panzerjäger Tiger P, donc Porsche Ferdinand. Ok les gars, allez on va partir en bataille réalistique avec ce chasseur de chars, et on va voir un petit peu de quoi il est capable. Ok les gars, alors là-dessus j'ai un équipage basique, donc le rechargement du canon de 88, hein, c'est 7,1 secondes. Je pense qu'un élite, vous pouvez péter à 6 secondes 8, un truc comme ça, ok. Allez, donc battle rating 6.3 pour le Ferdinand, mais je vais partir quand même en 6.7, vous voyez, hein, j'ai un line-up Tigre 2 H, Tigre 205 en 6.7, donc je vais le tirer un tout petit peu pour vous montrer qu'il est extrêmement efficace, même s'il n'est pas tout à fait à son BR. Vous allez voir, normalement je devrais faire quelques bons ricochets sur la face avant de ce Ferdinand. Alors on part sur Champ de Normandie justement. Alors moi j'ai l'habitude de spawner en bas là, et puis hop, de me placer sur B. Alors il faut que je fasse attention quand même parce que j'ai du chemin à faire et je suis très lent. Donc il faut que je fasse gaffe. Alors j'imagine que là il va y avoir du T-44 100, il va y avoir de l'IS, IS-2, on va voir. 4 secondes, 3, 1 seconde, et c'est parti. Ouais, on a du T-54, donc vous voyez, hein, je suis... il y a du T-44-100. Donc ça va être très très intéressant de voir ce Ferdinand à l'œuvre. En tout cas, je vous le conseille, hein, c'est vraiment un très très bon chasseur de chars. Quand vous avez un équipage peut-être élite, à force de le jouer, hein, vous pouvez le monter élite gratuitement. Vous allez avoir un rechargement beaucoup plus rapide. Donc vous voyez, hein, c'est pas ultra rapide, c'est pas ultra manœuvrant. Il faut faire attention aux munitions sur le côté, hein, vous voyez, hein, si vous faites péter... sur la gauche là, ben c'est fini, hein, c'est game over pour vous. Alors sur route ça fait, allez, ça fait 19 km/h grand max, hein. Alors on joue contre les Britanniques et les Américains, et nous sommes les Allemands, les Russes, les Japonais et les Suédois. Ouais, c'est ça, une petite game quoi. Mais vous voyez, je vais pas y arriver sur mon point B, je suis beaucoup trop lent. Peut-être qu'ils nous rajouteront l'Elefant, hein, si ça se trouve. Ça serait pas mal, avoir le Ferdinand et l'Elefant. Comme je vous dis, hein, c'est exactement la même chose, sauf que voilà, il y a une mitrailleuse de caisse et c'est tout. Hein. Donc rotation, pas top top, vous voyez, hein, rotation statique, pas extraordinaire. Mais c'est pas grave, il y a un bon blindage à l'avant. Il y a un très bon canon avec une bonne munition. Ça devrait faire l'affaire. J'ai des collègues qui capaient. C a été capé aussi. Il y a du M47 en face. Alors c'est toujours un petit peu embêtant d'avoir des unités ennemies trop modernes quoi, pour ces unités Deuxième Guerre mondiale. Hein. C'est un peu la merde quoi, je trouve vraiment que un jour ce serait bien que Gaijin puisse séparer. Ça c'est un peu le rêve de tout le monde, hein. Tous les gens qui aiment bien un petit peu le réalistique, l'histoire de ces engins là, hein. D'avoir justement une séparation en Deuxième Guerre mondiale et guerre froide. Donc on voit là ici, hein. Il y a un ennemi là. Vickers MBT qui vient de se faire... Non, c'est un FV 4202 qui vient de se faire casser. Par contre, il y a un MBT qui vient de péter un collègue à droite de B là. Il va falloir ouvrir l'œil et le bon. Aïe, la chasse. Là par contre, vous voyez la 2D1 là qui vient de rétamer tout le monde. Là c'est pas bon pour moi. Je suis trop lent. Donc pour lui c'est cadeau quoi. Ouh là 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 là. Le Vickers MBT est toujours dans les parages. Je le vois pas. Je pense qu'il est derrière B. Il est en train de caper. On est en train de se faire déborder là. Je pense que il doit être derrière la butte là. Ouais, il doit être derrière la butte. Je vais essayer de me planquer un petit peu quand même. Parce que là je suis seul. Je le vois pas. Je le vois pas. Ah, il y a quelqu'un derrière moi. Ouais, il est là, le Vickers. Je vais essayer de le casser. Ça va être chaud. J'ai pas la vitesse. Voilà, j'ai réussi à le péter quand même. en gap, donc c'était le seul qui était sur zone. Là c'était un peu chaud les gars, d'où mon silence, parce que avec le Elefant, je suis pas super manœuvrant, hein. Je galère un petit peu. Mais le canon, il est ultra violent quoi. Allez, un petit cap, ça fait du bien. Ça fait des points. Donc on a C, on a B. Là, j'ai mon collègue qui me supporte, donc c'est plutôt sympa. Je regarde un peu là-bas. Est-ce qu'il y a du monde? Ah, j'ai peur en fait de la chasse. Parce que là-dessus, ils peuvent me péter trop facilement quoi en l'air. Je vais essayer de m'angler. Hop, là-bas, il y a un mec. Ouais, c'était un M50. Hop, je vais essayer de taguer. Allez, passe M50. Vous allez voir le 88 Pak 43. Il fait le job. Voilà, vous avez vu, hein. Là, c'est du tir tendu, quoi. Par contre, on se fait caper C, là. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ouais, c'est pas bon du tout, quoi. Ben ouais, ça serait bien que tu restes, en fait, dans le point, Coco. Type 61, là. Ça serait bien. Alors quand vous êtes aux alentours d'un cap comme ça, pour prévenir en fait évidemment que l'ennemi cap, hein, essayez de rester sur zone quoi, d'avoir un pied sur la zone pour éviter justement qu'il capte trop facilement quoi. Donc là il lui monte là-bas au fond. Donc lui je pense qu'il a été pété. Je vais quand même le marquer pour mon collègue. Ça c'est un bon point aussi, hein, quand vous êtes un petit peu protégé par cette petite butte là sur ce point B là, c'est un truc assez sympa quoi. Surtout quand vous êtes pas trop manœuvrant comme moi. Là ils sont en train de se faire défoncer les mecs, vous voyez hein, là j'ai tagué en fait dans la direction de l'ennemi et mon collègue, donc mon binôme l'a fracassé, ça en fait des points. Ils sont comment là? Oh, on commence à devenir bon les gars là. On commence à devenir bon. Allez, on va commencer à faire un petit bond. Un petit bond tactique. En essayant de regarder un petit peu à droite-gauche. Là. Alors vivement que j'ai tous les modules de motorisation sur l'Elefant. Enfin sur le Ferdinand, pardon. Je suis tout le temps en train de l'appeler Elefant lui, mais c'est évidemment le Ferdinand. Hein. Alors je m'arrête un petit peu. Est-ce qu'il y a du monde? Je joue un petit peu de la jumelle. Rien du tout pour l'instant. Bah écoutez, j'ai pas pris un coup. Plutôt sympa. Là, qu'est-ce que c'est ça là-bas? Ah ouais, ça c'est un ennemi. L'ennemi qui vient de se faire péter, c'était un Falcon. Ah, se fait caper, mais bon, je pense que de toute façon, c'est ouais, c'est game over pour eux. Bon, bah 2 kills les gars, un cap hein, avec le Ferdinand. Hein. J'allais dire encore Elefant. Je vous dis, j'ai Elefant dans la tête. C'est un truc de fou. Chaque fois que je vois le Ferdinand, je l'appelle Elefant. Mais en tout cas, vous avez vu. Hein, très bon canon. Alors là, vous pouvez pointer sans aucun souci. Hein, le Pak 43 88 mm. Il tire très tendu. L'obus est ultra véloce. Donc vraiment, vous faites des parties d'enfer et Goldorak avec ça. Hein, surtout à longue distance. Il est très précis ce canon. Ah ben tiens, je viens donc de terminer, donc vous voyez les stats, bon, j'ai fait 2 kills, un cap, je suis pas mort, ça reste dans la moyenne de la partie, le meilleur chez eux au niveau de l'ennemi, c'est voilà, c'est 2 kills, donc je suis dans la moyenne. Par contre, il y a un gars qui a fait 6 kills, mais bon, il est mort 3 fois, donc voilà. En ce qui concerne le module, maintenant j'ai ma transmission, donc je peux l'acheter et je vais rechercher la motorisation. En tout cas, ce que je peux vous dire sur le Ferdinand, c'est que c'est un très bon chasseur de char. Il faut faire attention à sa vitesse, hein, donc il est très long, il est très lourd. Vous allez vous sentir que vraiment, voilà, il pèse vraiment ses 65 tonnes, ça il n'y a aucun souci. Hein. Mais bon, si vous avez voilà, des ennemis qui vous tirent dessus pleine face, je pense pas que ça puisse rentrer en un coup, quoi. C'est très rare que vous fassiez one-shotter avec le Ferdinand, surtout si vous êtes un petit peu anglais. Vraiment, la protection avant de 200 mm est extrêmement efficace sur ce chasseur de char allemand. Donc, vraiment, un très bon, je trouve que c'est un très bon grinder en plus, parce que si vous faites très attention à ne pas mourir, vous savez qu'en réalistique, en fait, il faut garder son unité au maximum. Plus vous êtes, on va dire, plus vous gardez votre unité dans la partie et plus vous allez générer des points de recherche de style pour débloquer votre, vos nouveaux donc véhicules ou faire des Silver Lions, etc., etc. Le top, c'est évidemment de ne pas perdre son unité dans une partie réalistique. Ça, c'est le top niveau. C'est là où vous allez engranger le maximum de points en ce qui concerne les Silver Lions et les recherches de points XP, ok. En tout cas, le Ferdinand, c'est vraiment une unité voilà, que je conseille. Si vous pouvez jouer avec un binôme, un collègue à vous, imaginez 3 Ferdinands qui lock, en fait, qui bouclent un flanc gauche ou un flanc droit d'une map. Je peux vous garantir, si vous êtes bien coordonnés entre vous, vous deux ou vous 3 ou même vous 4, puisque en escouade on peut jouer à 4, vous allez mais vraiment défoncer tout le monde à longue portée. Alors évidemment, si vous êtes dans des parties un petit peu trop encaissées, urbaines, etc., là le Ferdinand, hein, comme d'ailleurs tous les gros chats allemands, hein, que ce soit les Tigre 2 ou le Tigre 1, ils sont pas super à l'aise dans les petites maps. Mais sur les grandes maps où on peut sniper à longue distance, là vous allez vous régaler. Ok. En tout cas, le Ferdinand, une très bonne unité allemande, donc de rang 4, Battle Rating 6.3, un excellentissime chasseur de chars que je vous conseille et je suis absolument certain que vous allez l'adorer. En tout cas, merci d'être passé par chez moi. N'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air pour aider ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Si vous aimez le jeu War Thunder, abonnez-vous à ma chaîne, hein, parce que du jeu War Thunder, il y en a plutôt pas mal. Et puis bon, on se retrouve sur YouTube pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous, ciao ciao.